وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Allah dans le Coran, combien de mises en garde il y a contre les gens qui sont égarés du bon chemin. Il y a des gens qui sont allergiques aux mises en garde fondées. Bien sûr, mise en garde avec science et justice. Il y a des gens dont ils sont allergiques. Celui-là, il ne lit pas le Coran. Tout le Coran, c'est des mises en garde. Mise en garde contre le shirk, mise en garde contre les juifs qui ont fait ça, mise en garde contre les chrétiens qui ont fait ça, mise en garde contre les savants qui ont appelé les gens à les adorer. Tout le Coran, c'est ça. Tout le Coran, il y a des mises en garde dedans. Cette personne, elle n'a pas lu le Coran, ou elle a lu le Coran avec un cœur qui n'était pas présent. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a entendu une personne qui faisait de la poésie et dans sa poésie, il y avait des mauvaises paroles. Inacceptable. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous savez ce qu'il a dit? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le plus doux des hommes, celui qui a été envoyé par miséricorde pour les gens. Il a dit quoi? Saisissez-moi ce shaitan! Saisissez ce shaitan! Prophète d'Allah, il a dit, saisissez-moi ce shaitan. C'est pas une mise en garde, c'est quoi ça? Une autre fois, une personne, elle a voulu faire du bien. Il a dit, celui qui obéit à son Allah et à son messager, il est bien guidé. Celui qui leur désobéit à eux deux, il est égaré. C'est quelqu'un, il a voulu faire du bien, mais il a dit une parole qui n'est pas la parole qu'un musulman ait dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, quel mauvais orateur tu es pour les gens. Devant tout le monde, il l'a repris. Il lui a dit, dis plutôt celui qui désobéit à Allah, puis à son messager. Tu m'as mis à l'égal d'Allah. Une autre personne, un jour, il avait une bague. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a pris de sa main, il l'a jetée par terre.